Et salut la meute, c'est Loupa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est très simple, je vais vous montrer comme vous voyez la map petite de ma team, Team Alpha, mais qui sera utilisée pour les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je t'explique. Il y a un petit moment j'ai sorti une vidéo sur le ici, là voilà, que comme quoi je te disais qu'à mes 1000 abonnés je faisais gagner ce pack là, ou un autre pack, que ça peut être un truc qui est actuellement disponible, la danse par exemple qui est à 35 €, ça peut être quoi d'autre, ça peut être des skins qui seront disponibles à l'achat. Donc le gagnant de cette map edit, quand j'aurai les 1000 abonnés, le concours sera lancé, hein. Quand le concours sera lancé, je vais laisser, je pense, deux semaines c'est bien pour vous laisser faire le meilleur temps, et le meilleur temps, que ce soit manette ou PC, il y a le mélange des deux sur cette map. Plus tard, je pense que je ferai un exprès que pour manette et un exprès que pour clavier souris. Et je pense qu'au 2000, je ferai un que pour manette. Et au 3000, je ferai un que pour PC. Voilà, moi comme ça vous êtes au courant. Mais pour les 1000 abonnés, cette map qui est déjà prête sera pour autant clavier souris que manette. Donc manette, il va falloir être très très chaud. Et clavier souris, être bon. Alors je l'ai fait tout seul en une soirée, donc je sais pas, de 19 h à 23 h, voilà, j'ai fait cette map là vite fait. Alors il y a des épreuves qu'il n'y a peut-être pas dans cette map que vous voulez. Si vous trouvez un truc qui manque, vous me le dites en commentaire, j'essaierai de le rajouter. Mais pour moi, cette map est bien, un peu concours, pas trop compliqué et en même temps pas trop facile, tu vois. Vous avez 10 minutes chrono pour le faire. Donc voilà, cette map, du coup, sera disponible aux 1000 abonnés, enfin un peu plus, parce que du coup 1000 abonnés, j'ai le code créateur normalement. Et dès que j'ai le code créateur, cette map, c'est la première map que je partage. Je referai une deuxième vidéo où je disais ça y est, j'ai le code créateur, voici le code de la map, allez-y, entraînez-vous. Je pense que je vais laisser une semaine d'entraînement. Alors les personnes que je connaisse n'ont pas le droit de s'entraîner dessus avant que j'ai les 1000 abonnés et que je mette la map entre guillemets en ligne, tu vois. Donc je laisserai une semaine pour tout le monde s'entraîner. Et au bout d'une semaine découlée, je laisserai 2 semaines pour vous laisser faire votre meilleur chrono. Voilà, donc cette map-là, je le répète, manette, PC, tout le monde peut le faire. Téléphone, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Mais téléphone, je crois qu'il n'y a pas de créatif. Bah, faut pas sûr. Mais voilà. Donc là, je mets le chrono pour le style, mais c'est plus pour vous expliquer. Donc là, vous faites comme vous voulez. Hein. Comme ça, comme ça, comme ça. Moi, personnellement, je suis en train de m'entraîner à faire comme ça. Tu vois, du coup, ça fait ça. Tu vois, je m'entraîne, hein, ça se voit encore, je suis manette, hein, les gars, vous voyez bien l'écran. Et on va vous dire, ouais, mais c'est un map quand même. Ouais, je suis manette quand même. Et encore, je suis en train de m'entraîner. Là, c'est des doubles étiquettes, tout ça. Vous voyez comment ça... Oula, ouais. Et là, les gars, j'y vais doucement pour pouvoir vous montrer, il y a ça. Donc, vous montez tout ça. Si vous tombez, vous mourrez, vous recommencez du début. Il y a que... checkpoint de souvenir, et c'est là où vous ramassez les armes, comme ça vous passez dessus, vous avez plus des armes sur vous. 3, il y en a 3. 3, hein. Il y en a 3. Et sinon, sur tout le reste de la map, il n'y en a pas. Donc là, vous mourrez, vous recommencez tout là-bas. Moi, je vous conseille, quand la map sera sortie, vous mourrez. Très simple, vous recommencez la map. Donc là, hop, vous faites ça. Donc il y a deux étapes, il y a où vous faites ça, tu vois, où vous faites, si vous y arrivez sans ça. Vous faites comme moi, vous faites ça tout simplement. Et puis ça rend ça. Voilà. Donc après, s'il y a des trucs qui se mettent derrière, mais que ça vous bloque pas, laissons. Donc là, c'est pas... là, on descend tout simplement. Là, vous trouvez la meilleure étape pour aller au plus vite ici. Bon, là, je peux faire un dessin. Hein. Faut simplement faire ça. Les chapeaux, vous les rééditez. Sinon, ça va être trop gênant pour vous. Donc là, voilà, pareil, donc là, il est dit, hop, 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 je me concentre pas, allez, on va faire tout de suite. À la fin de la vidéo, si vous voulez, à la limite, je ferai un truc, j'en ferai un où je suis en mode full concentré, sans bruit, sans rien, et je vous mettrai une petite musique. T'as vu, je suis tellement pas concentré, je m'occupe, enfin, je dis ça, mais je m'occupe des fois, hein. Elle est en mode concentré. Donc voilà, donc tu vois sur la carte, tu zigzags en vrai. Donc c'est pareil, hein, ça vous faites comme vous voulez. Ça va vous devoir vous rééditer. Ça obligé, vous rééditez comme ça. Sinon, ça compte pas. Vous partez comme ça.
comme ça. L'autre sens pareil, on clique comme ça. Non, pas ça. Ou comme ça, ce que vous voulez. Une porte. Vous pouvez le faire, mais quoi qu'il arrive, vous allez perdre énormément de temps. Et ça, ceux qui arrivent. Putain, je vais même comme ça rapide, je galère. Ceux qui arrivent, allez-y. C'est pareil, vous allez perdre beaucoup trop de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre le rebord ici, parce que du coup, vous allez devoir faire comme ça, tu vois. Et ça marche pas forcément. C'est de prendre toujours le bord le plus éloigné. Donc, toi, le bord le plus éloigné, c'est ça. Et ainsi de suite. Bon, là, c'est un truc poudre. Oh, y a mon petit chat qui miaule. Je reviens. D'ailleurs, les gars, il y aura une future vidéo où je parlerai du chat. Bon, je lui donne le contexte, hein, même sans vous spoil toute la vidéo. De base, je sais pas si vous avez vu, pareil, le petit ici, j'ai sorti une vidéo où tu sais, ouais, j'ai adopté un chien, et que j'allais vous montrer toutes les étapes. Cette vidéo-là a été, entre guillemets, annulée, car je ne voulais pas adopter, enfin, ma mère ne voulait pas adopter de chien. Sauf que, il s'est passé des trucs qui fait que ce chat est arrivé. Et je t'expliquerai tout dans cette future vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche des notifications pour pouvoir recevoir toutes les notifs et pouvoir voir les vidéos si ça t'intéresse. Cette histoire est en tout cas très très incroyable et folle, je trouve. L'arrivée de ce chat est incroyable. Quand vous allez la savoir, vous allez vous dire, mais vous allez vous dire, c'est incroyable. Vraiment. Je parle plus depuis tout à l'heure, pardon, excusez-moi. Donc là, vous avez vu, hein. Attends, je vais recommencer. Là, t'as un pompe au bout là-bas. Prends, tu tires, tu finis. Alors, au meilleur des cas, vous faites ça. Mais si vous le laissez comme ça, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est tuer les bots quoi qu'il arrive. Si vous mettez un 30 et qu'il est encore debout, enfin qu'il est encore là, c'est mort, il faut le terminer. Ensuite, le checkpoint, hop, enlève votre arme. Vous arrivez ici, tac. Alors, vous pouvez faire comme ça et partir direct. Vous pouvez faire ça et ça et partir direct. Comme vous voulez, au plus vite, c'est vous qui choisissez. Donc là, comme t'as vu, hein, tac tac, paf, tu réédites. Là, paf, tu réédites. Paf, tu réédites. Et normalement, là, t'as un. Voilà, tape ton arme. Hop. Donc là, t'as deux armes. T'as celle-là ou celle-là. Alors pourquoi je les ai mis? Ok. C'est pas le même style, donc c'est pour ça, comme ça, tu peux choisir. Donc là, tac, vous faites toutes les cibles. C'est pareil, si vous touchez une cible qui ne tombe pas, ben, il faut la finir. Normalement, j'ai le moins de vie possible sur ces cibles. Et du coup, ben, vous mettez même une toute petite balle qui ferait même un dégât. Vous n'avez pas réussi. Hein, mais si vous faites ça, voilà. Et ben normalement, elle tombe. Donc là, hop, le checkpoint, il faut continuer. Donc vous voyez, moi, je prends toujours au plus loin. Donc quand c'est ce côté-là, tac. Quand c'est ce côté là, je monte. En fait, quand c'est loin comme ça, je descends. Quand c'est là, je monte. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Quand tu descends, tac, ton point est déjà en bas. Donc il ne reste plus qu'à monter sur l'autre. Et du coup, l'autre est en haut. Il ne reste plus qu'à descendre. Tu vois le bail. Donc là, hop, la triple édite. Ça, j'y arrive pas encore. L'escalier, donc c'est pareil. Hein, l'escalier, c'est comme tu veux. Tu fais comme ça, tu fais. Dans l'autre sens, tu le fais comme ça, tu le fais comme ça. Si t'es fort, tu le fais comme ça. Au meilleur des cas, moi personnellement, hein, personnellement, bien. Je sais plus comment c'était, ouais, c'était comme ça. Moi personnellement, les seuls moments où j'ai fait un meilleur chrono, c'est quand j'ai fait ça. Donc là, je me suis arrêté. Mais en gros, si je m'arrête pas, ça fait ça. Tu vois le bail. Bon, après, je suis manette, comme je t'ai dit. Hein. Mais moi personnellement, je ferais ça. Donc après, il y en a qui y arrivent. Attends, il y en a qui arrivent, tac tac, ils enchaînent. Et entre le temps où tu tombes et que tu cours pour edit, c'est du temps perdu. Donc moi, je te conseille de faire ça. Donc vous voyez, c'est pour ça, c'est très très chaud. Toi, tac. Sauf que là, du coup, attends. Toi, du coup. Hop, 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 hop. C'est là, c'est chaud en fait. C'est que il faut pas tomber tout de suite. Tu vois, genre, je remets comme c'était. T'es là, tu vois. Alors toi, ton réflexe c'est d'avancer, donc tu vas faire tac, tac. Ok, ça c'est mon réflexe. Mais en gros, toi, ton réflexe ça va être dès que t'as edit. Ce que je viens de me rendre compte, c'est que j'ai pas mis la lumière.
Donc je disais, je sais plus, donc on va enchaîner. Mais voilà, moi je te conseille de faire ça, tu perdras moins de temps. Après c'est comme toi tu veux, si tu penses et que t'arrives à être plus rapide d'une autre façon, fais d'une autre façon, c'est toi que ça regarde. Bon, tu vois, après il y a des piratés, hein, ça arrive à tout le monde. Une fois de la journée que je fais cette map. Donc là c'est pareil, hein. Toujours, tu vois. Toujours les mêmes trucs. Et tu vois, je pars toujours. Je pars toujours comme ça. Et arrivé là, tu vois, bon, normalement ton cul sort est en haut. Du coup, quand tu montes, il ne te reste plus qu'à faire ça. Et hop. Donc là c'est pareil les gars, vous tombez, vous réapparaissez à l'autre bout. Alors au niveau des cibles. Tout simplement. Donc hop, hop. Là tu réédites ça. Ça c'est pareil, hein. Je sais plus comment c'était, mais si je vois des trucs comme ça, je le compte pas. Il faut vraiment que ça soit comme ça. C'est le seul truc où je compterai pas si c'est mal édité. Les autres, tu peux les éditer comme tu veux, comme ça. Faire une porte, mais comme je t'ai dit, ça va être très long. Après, il y a ça, hein, faut surtout pas tomber, donc tu fais ça. Ça, c'est pareil, hein, les seuls. Si tu fais un truc dans ce bail là, et que tu arrives, c'est mort. Il faut vraiment que tu remettes comme c'était, et là, ça. À mon temps, il doit être dégueulasse, mais sinon, je vais expliquer, c'est pour ça. Donc là, c'est une simple descente. Je l'ai même pas démarré. Prix de parcours, je pense. Donc, comme je t'ai dit, aux 1000 abonnés, je te laisserai aller voir la vidéo du concours. Donc, je pense que le nom de cette vidéo sera là, le concours pour le skin téléphone de votre choix, un truc comme ça, je pense. Je te laisse aller voir cette vidéo. Le jour où on a les 1000 abonnés, que j'ai le code créateur. Et sur celle-là, je vais tout te réexpliquer en détail pour pas que tu t'embrouilles, pour pas que tu fasses n'importe quoi. Donc comme je t'ai dit, je pense que la première semaine où le concours sera lancé, ça sera entraînement. En mode, c'est pas, tu dois pas faire le meilleur temps possible, tu dois simplement t'entraîner à regarder les meilleures techniques pour aller au plus vite. Et à partir d'une semaine, là, le concours sera vraiment lancé. Donc c'est pareil, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitch. Parce qu'il est possible qu'entre temps j'ai la fibre, j'espère, Inch'Allah, et du coup je regarderai vos résultats en live sur Twitch. Et aussi, c'est très simple, suivre le concours pour être sûr des dates et tout ça, ça sera sur mon Insta. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo ou live. Salut! Je fais pas la map en mode tryhard, je la ferai dans la vidéo où je lancerai le concours. Pas de cuir, à sa bille je cuis.